Une passation de service tenue loin de la presse nationale sur instruction de l'autorité préfectorale. Toffo, une vaste commune de plus de 60 000 âmes avec 10 arrondissements, veut ainsi écrire une nouvelle page de son histoire. La nouvelle autorité communale, consciente des enjeux de développement de sa localité, opte pour une gouvernance concertée. Alors, mes premiers défis, c'est de maintenir la gouvernance et ce, dans la participation collective. À mes administrés, je leur dis tout simplement un grand merci pour leur et leur dis que c'est maintenant qu'une autre ère s'ouvre sur ton fond et que dans la continuité, nous n'allons pas démériter, ça nous fait mieux. Une femme qui cède son fauteuil à une autre, c'est pour la nouvelle un défi pour de meilleurs résultats. C'est un autre défi parce que ce qu'elle a fait, elle n'a pas démérité. Donc nous aussi, à notre tour, il faudrait qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Et pour montrer à tous les Béninois que là où l'homme est, la femme peut se retrouver là et gérer, et mieux gérer encore que les hommes. À Toffo, c'est le Bloc républicain qui est en tête avec une majorité absolue des conseillers élus. C'est donc un exécutif communal entièrement BR qui va conduire les affaires pour les 6 prochaines années.